Sophie! Sophie, c'est pas une manière normale de se lever. Sophie, ouvre-moi cette porte tout de suite. Je veux plus jamais voir Sophie de ma vie. J'ai trouvé un petit jeu d'horreur. Le jeu s'appelle The Curse. Je sais pas du tout ce que c'est et on va découvrir ça ensemble. C'est parti. C'est un jeu Roblox, les amis. C'est dingue. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire. Si le jeu est pourri, je me marre. Ce serait tellement dommage qu'il soit pourri. La cinématique. Mais mec, t'arrêtes pas en plein milieu de la route aussi. La malédiction. Oh là 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 là. Oh, je sens que le jeu va me plaire. Ça. Oh, c'est français en plus. C'est traduit en français. Bon, je vous laisse lire, hein, les amis, si le personnage y parle. Oh, bah attends, mais c'est quoi ce lit gigantesque, mec? J'ai l'impression d'être un bébé. On va se chier dessus. Ça va être atroce. Bon, bref. Je sais même pas qu'est-ce qu'on doit faire, mais bon. Déjà, on peut pas allumer, là? C'est quoi tout ce bordel, ici? Ou même sortir? Ah merde, c'est pas la sortie, c'est la cuisine, ici. Ah! What was that? It sounded like it came from upstairs. I better go check it out. Oh. Objectif, retourne dans ta chambre. Un journal, maintenant, je m'en souviens. Mec, je comprends que dalle! Ok, donc, le mec, il a perdu la mémoire, il faut retrouver un journal. Oh, oh, what the fuck? C'est un jeu Roblox, Sophie. Est-ce que c'était vraiment toi, Sophie? Je crois qu'on est juste dans un cauchemar. Il se passe tellement de trucs. F pour une lampe de poche. Oh, purée, on va se chier dessus. Merci pour l'eau, Kitten. Merci beaucoup. J'ai plus d'oreilles, moi non plus. On est tous devenus sourds. Oula. Oula. Sophie! Sophie, c'est pas une manière normale de se lever. Sophie, ouvre-moi cette porte tout de suite. Ah, je veux plus jamais voir Sophie de ma vie. Oula. Help. Ouais, non, 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 non. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Donc apparemment ils ont réussi à rentrer en contact avec une entité méchante, mais il était déjà trop tard. Dans les premières étapes de possession, le démon manipule en donnant des hallucinations visuelles. Ça ne peut pas, je ne suis pas possédé. Ah, ça serait nous. Ok, bon bah on va voir, on va dormir. Mec, j'ai déjà crié au moins 3 fois. Where am I? What is this place? Mec, tu es possédé. Petit chocolat au lait, reste devant moi s'il te plaît. Je suis de retour au sous-sol. Oh mon dieu, il a tué ses parents. C'est une crime. Tu as tué tes parents parce que tu es possédé. On connaît déjà tous l'histoire. Est-ce qu'on peut allumer la radio? There was a brutal family killing. The brutal killing took place while the family was gathered at home on a Saturday afternoon. The girl heard screams and immediately called the police, saying while she was upstairs, she heard stabs and everyone downstairs screaming. The murderer seemed to got away. The girl's name was Sophie. The police are still investigating this crime. On a tué Sophie. Qui a tué Sophie? Bah c'est nous. C'est nous qui avons tué Sophie, c'est obligé. Sophie, m'en veux pas s'il te plaît. Sophie, vas-y, Ditchap, reste devant moi. Ah, c'était le corps de Sophie. Oh non, ça y est. Ah, ça y est, le mec il ressort, se sent pas bien de nouveau. Tu joues à quoi? Je m'appelle Sophie. Bah on enquête sur le meurtre de Sophie justement. This can't be real. Was Sophie's and my parents' death really? Oui, c'était toi. I need to find out more. Oh non, oh non. Sophie, je suis désolé de t'avoir tué. Sophie, is that you? Sophie, je suis désolé. J'ai pas fait exprès. Ok, ça va, tout va bien. C'est quoi ça? Oh non, il va avoir un truc à faire. Ok, une ampoule plus ça, ça donne ça. Ok, donc faut trouver des ampoules pour les mettre dedans. Ensuite, une fois qu'on a mis les ampoules, faut trouver le générateur pour allumer les lumières. Et quand on allume les lumières, ça va tuer le monstre. Donc là, il y a un monstre avec nous, là, ça veut dire. Oh purée, non, j'ai pas envie. Sophie! J'ai éteint. Il y a eu du bruit. Attends. Hop. Est-ce que... Oh, on peut pas allumer, putain. Tant qu'on n'a pas trouvé toutes les ampoules, on peut pas allumer. Ah, où est-ce que cette chose se trouve? Les amis, le screamer qu'on va se prendre. Oh, je dis ça, je me tape à un énorme screamer. Une ampoule ici. Où est la lumière? Faut trouver une lumière. Mais mec, c'est horrible, on la voit pas. On la voit pas la meuf, à moins qu'elle m'a attaqué 2 fois par derrière. Oh mon dieu, quelle horreur. Allez.
plus elle clignote et tout dans le noir. Ok, je suis revenu au début. Wouh. Mais non, mais genre, elle attaque ici. Vas-y, ninja, j'ai la créature sous mes yeux. Mec, je suis dans un putain... Petit chocolat, on va mourir. Moi la paix, parce que je n'ai absolument rien fait. Elle arrive, ninja. Tu vas mourir, ninja. Elle a tué ninja. Je suis... Elle va leur spawn kill. On a mis les ampoules. Maintenant, faut qu'on arrive à actionner les générateurs. Là, normalement... Il devrait plus avoir d'ampoules. Putain, on peut pas les actionner. Pourquoi? Il y a encore une ampoule à chercher. Tirez les leviers lorsque le démon est à proximité du plafond. En fait, notre but, c'est de tuer le démon. Ok, donc en fait, faut attirer le démon en dessous d'une lampe et ensuite actionner le levier. C'est horrible. Ninjap, va chercher la créature. Wouh, je l'ai eu. Ah, ça l'a pas tué. Elle était pas loin. Oh, Ninjap, Ninjap, cours, Ninjap. Comme la créature nous suit là, vas-y, vas-y. Prépare-toi, elle nous suit là. Vas-y, Ninjap! La lumière, Ninjap! J'y vais, je vais à mon poste, ramène-la! Ok, bien joué, Ninjap! Mais non, mais. Laisse-moi te tuer, Sophie! J'aimerais pouvoir te tuer! Allez, j'appuie là! Elle est toujours pas morte. Tu vas crever quand? Mec, elle a planté. Mais non, mais c'est une blague. Mais regardez à quoi elle ressemble, Sophie. Elle est magnifique. Je veux jouer à un jeu où on doit caresser des chats. Des trucs mignons. Mec, j'arrête pas de crier. Je suis pas bien, les amis. Je suis en PLS. Oh, je l'ai eu. Crève! Bon bref, elle nous a donné une cassette. Bon bref, je suis de retour ici, mais tout seul cette fois. Suis-je enfin libre? Non, 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 tu n'es pas libre, tu vas encore crever. S'il y a un problème avec un fantôme ou quoi, t'appelles la police, tu vas à l'hôpital, je sais pas, si tu commences à vriller. Tu restes pas enfermé tout seul chez toi en te demandant. Je vais essayer de résoudre une enquête bizarre. T'enfuir. Bon bref, il y a une pièce qu'on n'a pas fouillée encore dans la maison. Oh, il y a des chats tout mignons, regardez. Ça va nous aider ça. Sophie, n'apparaît pas s'il te plaît, ok? Je te fais confiance, j'ai vraiment pas envie que tu viennes... Elle est sans douter qu'elle allait apparaître. Bon, il y a quoi dans le grenier? Sophie? Arrête de claquer ta tête contre le mur, Sophie. What the fuck? Oh non, je tombe. Ah, il s'évanouit. À poursuivre. Wow! Fin de la partie 1. Ce jeu est terrifiant. Si vous kiffez les jeux d'horreur et tout, testez le jeu. Mais waouh! Franchement, j'ai trop kiffé le jeu. Ah!